Hey! Salut à tout le monde! Salut la compagnie! Comment ça va tout le monde? Ça va les amis? Allez, on se met en place. Bonsoir à vous tous. Ah, je reçois déjà des messages. Super. Et là, ils m'envoient tous ces trucs. Bref, alors, salut à la Tunisie. Bonjour Abir. J'espère que tout va bien. En Tunisie, pays qui m'est cher puisque c'est une partie de mes racines, la Tunisie. Salut Antoine, donc le bonjour à tous les Tunisiens, toutes et tous. Puisque moi, du côté maternel, je suis un Tunisien. Et ouais, vous en découvrez des choses, hein. Bonjour à vous tous, salut tout le monde, salut Hugues. Salut à toutes et tous. Alors, salut Valérie, est-ce que vous avez la pêche? Salut Joss. Aurore, mes hommages Aurore. Dites-moi, comment allez-vous? Est-ce que vous avez la chepée? Vous voulez qu'on travaille comment aujourd'hui? Cool ou safari? Mon oncle il disait ça quand j'étais jeune. Cool, bah c'est cool, safari, c'est vite. Alors, comment vous sentez? On fait plutôt technique, on fait plutôt physique, on fait les deux. On fait quoi? Vous avez vu, j'ai mis ma jolie tenue. Voilà, j'ai ressenti ma tenue lumière. Comment on dit? Ma tenue lumière. J'ai mis ma jolie ceinture que ma femme m'a offerte lorsque j'ai eu ma cinquième darga, il y a 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai l'honneur d'être cinquième darga de la fédération de l'AFEKM. Salut mon GG, salut Isabelle, bonjour La Réunion, bonjour Alexandre des Vosges, salut Marshall, Pierre Denis, Guillaume, Alain, salut mon Alain de Belgique, je te fais des bisous mon Alain, salut mon GDH, salut ma Bébelle, Mariden, hi Soli, hi hi Soli. Hope you're well. Eh bien, écoute, Abir, plaisir partagé. Merci de suivre notre cours. Et on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Salut Florence. Du physique, Alex. Toi, t'as pas vu le cours d'hier. Alors, c'est vrai qu'on s'est bien donné quand même. Désolé, la famille cours de RPM. Bah écoute, bon cours de RPM. Je ne sais plus ce que c'est que le RPM, mais ça a l'air sympa. Salut Pierre à La Réunion, je vais très bien. Salut mon Charlos, merci pour ta vidéo avec les pompes. Je crois qu'elle a bien plu. Salut Philippe. Salut Cécile. Ouais, moi je préfère être en short, mais en même temps, c'est normal que si on fait des cours, on se. Moi, au début, quand j'ai lancé les cours en live, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, hein, ce confinement, même si on se doutait que ça n'allait pas durer 10 jours. Et puis c'est vrai qu'après réflexion. Eh ben, il faut se mettre en tenue. Et je compte sur vous pour vous mettre en tenue. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise en short, mon t-shirt orange fluo, mais il faut respecter les règlements fédéraux, donc c'est ce que je fais. Salut mon Vincent, salut Marie dans la Gironde. Salut Marc, Christophe, Amouche, Amouche Ali, salut. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Le bonjour à tous nos potes à Mobio, Daniel. Tac, allez, on attend encore quelques minutes et puis on va démarrer. Salut Thomas, salut José, salut mon Franck. Joli t-shirt, t'as vu ça, hein? Krav Maga à Strasbourg, depuis 1997, les amis.
premier club créé dans la région par votre humble serviteur. 65 ceintures noires formées, de nombreux profs, salut Badre, de nombreux instructeurs, etc., etc. Bon, bref, voilà. Tac, ça va Annabelle? Salut Philippe, salut Cécile. Salut à vous tous. Déjà, je veux savoir comment vous allez. Est-ce que vous allez bien? C'est important. Avant qu'on commence, Adonf, ping, super. Bing, bing, Adonf. Salut Céline Paris, salut Marilène. J'aimais bien ton t-shirt bleu. Merci Marie, merci. Il était beau mon petit t-shirt bleu turquoise. Hein. Je veux le même t-shirt. Salut Michael, Batsa. Ouais, j'ai pas mangé une seule matza pour le moment, Mickaël, pour tout te dire. Franck, je te mets un t-shirt de côté. Promis. J'ai un sweat pour Marine, j'ai le t-shirt pour toi. Je te mets un t-shirt de côté. Eh bien, écoutez, allez, dans 2 minutes, on va démarrer. On va faire un bon petit échauffement. On fera du physique, on fera de la technique, on fera du shadow. Salut Mathilde, salut Sandra, bonjour à la Suisse. Bonjour à la Suisse. Écoute Philippe, mon petit Philippe Fossel, ça va. Comme tous les jours à 18h, je suis en train de m'endormir, mais je vais me réveiller. Je me rendormirai après le cours. Vire, Rourou, tu découvres le Krav Maga, deuxième séance. Ben écoute, j'espère que tu vas accrocher, puis j'espère que tu vas continuer à nous suivre et que tu vas te lancer dans le Krav Maga, même après le confinement. Pierre, il me reste que des petits suites. Hein. Il me reste du S et du M en noir. Mais moi, je mets du M. Je fais 1m77 pour 82 kg et je mets du M. Donc, je ne sais pas quelle taille tu fais. Olivier, bien le bonjour. Salut Franck Etienne. Salut Silver. Alors, bah, avant de commencer... ouais, j'ai encore des suites, Emilien. J'ai encore des suites. Bing. Avant de commencer, on va commencer par les coucous, les petites dédicaces, etc. Donc, je vais baisser un peu le son. D'abord, je commence par bonjour à tous les copains, les copines, pardon, et les copains de la FEKM. Un énorme bonjour à toutes mes élèves et à tous mes élèves. D'ailleurs, mes élèves, je vous donne rendez-vous demain soir, 18h30, pour un petit zoom entre nous, pour qu'on puisse se voir, s'entendre, se parler, se raconter des blagues. Et puis voilà, salut Alain, j'espère que ça va. Salut cette taille. Pour continuer, un grand bonjour à tous mes copains instructeurs de la Fédération. Monsieur Steve, bonjour, président de la Fédération. Salut à Mickaël Obadia, David Alou, Jean-Charles Amar, Franck Conigero, Mathieu Thion, Samuel Laon, Thomas Osnat, Marie Osnat, Vincent Pastor, Franck Boucher, Maxence Sotte, Alexandre Orozco, Paolo Pereira, Harry Kansas, Alain Bayard, Philippe Bernimont, Franck Conigero, je crois que je l'ai dit, Eric Rombi, Nolwenn Le Mans, Brice, Ulysse de Moulin, bonjour dans l'Ardèche, bonjour à vous tous à La Réunion. Salut Christophe, j'espère que tu t'es bien installé au Canada. Tu nous as abandonné du jour au lendemain comme ça. Pourtant, tu ne devais pas d'argent, je ne sais pas pourquoi tu t'enfuis. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et notamment à nos amis du Canada. Salut John Jones, salut mon John, j'espère que tu viendras nous voir aussi souvent que tu suis des cours en live, que tu viendras nous voir en physique, et que ce soit durant les stages ou durant les cours. Je vous rappelle que mon club à Strasbourg, il y a 5 salles, Orangerie, Lavanzeno, Neudorf, Roberto, Esplanade. Tous nos cours, tous nos stages sont ouverts à tout le monde. On ne fait aucune ségrégation. Que vous ne soyez pas beau, que vous soyez beau, de préférence, si vous êtes beau, c'est encore mieux. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Voilà, et bien écoutez, on va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? On démarre? Bing, bing. Je vais mettre la musique. Alors, hier, ça vous a bien plu, les Black Eyed Peas? Et bien, on va remettre les Black Eyed Peas pour s'entraîner. Tac, bing, bang, bong.
On va même faire un salut, c'est vous dire. Donc moi, je vais reculer, le temps de vous faire un petit salut. Hop, je vous rappelle que les cours de Krav Maga démarrent et finissent par un salut. Je baisse un peu mon petit écran. Oh, Jocelyn, je ne t'ai même pas rappelé, mon petit Jocelyn. Mais je vais le faire. On se met en position. J'espère que vous le faites. Je vais pousser mes petits câbles. Ouais, finalement, je ne suis pas si bien que ça en tenue. Hein. Regardez, c'est pas mal quand même. Allez, on se tient droit. Bonjour. Allez, c'est parti, les amis. On court. On court, on court. Hop. Qu'est-ce qu'il a, lui? Super. Allez, allez, c'est parti. On va s'échauffer pendant que je mets. Allez, 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 c'est parti. J'ai envie de danser. Ah, j'ai oublié de mettre mes oreillettes. Vous m'entendrez mieux avec les oreillettes. Allez, on court, on court, on court. Momo, t'es là, Momo? Est-ce que Momo, il est là? Ah, c'est pas possible. Non? Chaque fois que je mets ça, il me bascule le son là-dessus. Paniquez pas. Paniquez pas. On court, on court, on court. Voilà. C'est bon. Logiquement, vous m'entendez de nouveau. Voilà. Allez. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, vingt. On court. On croise les doigts, on fait des cercles avec les poignets. Et de nouveau les bras. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on court. On va mettre la lumière. Bang, voilà. Les bras devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, on court. On continue à courir. Tac. Allez, jambe gauche devant, on va en avant, en arrière. Jambe droite devant, même chose, j'avance, je recule. Et on court. Les bras vers l'avant, 1, 2, 3, 5, 7, 9, vers l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, on court. Allez, de nouveau, jambe gauche devant, bon Clément, on garde. On arrête. Le son était meilleur avant. Allez, on va en avant, en arrière, jambe gauche devant. On continue. Allez, on signale une flexion, garde le dos bien droit, on tend les bras devant. Hop. 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 Je vais enlever la ceinture, je serai plus à l'aise sans. Mais non, il y a du son, on ne commençait pas. Allez, s'il vous plaît, on ne commence pas. Extension. Hop. Hop. Hop.
Hop! 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 Allez! Flexion, extension! Hop! 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 Ok, on pivote le bassin. Bras gauche à droite. Sur place. En avant, en arrière. On court. Bienvenue. Allez. Jambe gauche devant. J'avance, je recule. À mon signal gauche-droite, toujours en déplacement. Hop! Hop! Variez la position des mains. Hop! Hop! On est relâché. Hop! 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 On change de garde, on est toujours dans l'échauffement, hein, je vous rappelle. Droite, gauche, hop! 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 Et on court. C'est bon, c'est revenu le son. Vous êtes concentrés. Avec plaisir, Julie. Allez, allez, allez! Allez, on fait de nouveau ici, la gauche, la droite, et en avançant, on va mettre le crochet gauche. Je suis à gauche, droite, je bondis en avant, crochet gauche, le pouce vers le ciel le plus possible. On est relâché, hop, et on avance, et on revient, hop, et on revient, hop, on revient, hop, encore. On revient, regardez, gauche, droite, j'avance, je mets mon crochet, ma main droite me protège, j'ai passé les épaules. Encore, hop, 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 on change de garde, droite, gauche, crochet, droit, hop. Ok, je suis là. Alors ici, on va faire monter un peu le cardio. Vous connaissez notre travail. Je monte les genoux. Je fais, salut alors, je fais 15 secondes battement, 15 secondes je récupère. En courant sur place, on le fait 3 fois. Après, on augmente le temps. Allez, on y va, 15 secondes. On récupère. On va faire ça 3 fois. Ça fait monter le cardio. On court sur place pour récupérer. Attention. Deuxième. Si vous êtes fatigué, vous ne forcez pas. On récupère. Je me rapproche un peu. Troisième fois, attention. On monte les genoux. Hop!
On récupère. On va passer à du 30 secondes. Ça va pour vous? Quand je vous le dis, on a encore une vingtaine de secondes. On va passer à du 30 secondes dans 10 secondes. Attention à vous. Hop. Allez, 30 secondes. Dans le dos. Allez, on y va. Salut Michael. Obadiah. Cinq, quatre, trois, deux. On court sur place, on récupère. Salut mon petit canard laqué à la sauce caramel beurre salé. Salut Michael. J'espère que tu as la forme. Alors, on va refaire une de 30 secondes et on passera à l'autre exo. Trois, deux, et on y va. 30 secondes. Allez, 10 secondes. Ok, marchez, respirez. Alors, on va continuer. On va faire, moi c'est des exos que je fais régulièrement, les frappes sans m'arrêter. S'il vous plaît, même si nous, entre nous, on sait qu'on rigole, je ne veux pas de critiques envers d'autres profs, même si c'est pour rigoler, parce que ça peut être mal interprété. Donc, que ce soit sur les cours de Yann Vairan, que ce soit sur Eric et Mika, même si je sais que Eric, tu taquines Mika, peut-être que d'autres ne savent pas que vous connaissez, que vous appréciez et que vous vous taquinez. Donc on va faire très attention quand c'est écrit, il n'y a pas d'intonation. Et donc on ne sait pas si c'est de la plaisanterie ou pas. Donc il y a des exos qui sont intéressants parce que quand on les fait sur le physique, ça nous permet de faire un travail spécifique pour notre discipline. Et la répétition de mouvement renforce, améliore le mouvement. Et il faut le faire hyper régulièrement. Donc le travail qu'on a déjà fait plusieurs fois. Salut mon petit Jamel, je te fais des gros bisous. Le mouvement ici, on peut le faire avec un sac de frappe, on peut le faire sans sac de frappe. Ce qui compte, c'est de respecter nos principes. C'est que quand je, là je baisse la main pour que vous puissiez bien voir, quand je frappe, mon bras n'arrive pas en hyperextension. Pam, pam, je frappe, le bras n'est pas complètement tendu, il reste coup de fléchi et je viens ici frapper à la hauteur des yeux, et une main qui frappe, l'autre qui protège. La main qui frappe ne revient pas par en bas. Donc, on l'a déjà fait, on l'a fait hier, on l'a fait en plein cours. On va le faire 500 avec la jambe gauche devant, sans marquer de temps de pause, 500 avec la jambe droite devant. D'accord ? Donc, je vous montre rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez bien sur les appuis. Là, je suis bien sur les appuis. Quand je vais travailler, je reste bien droit, je ne mets pas les fesses en arrière. Je ne viens pas moucliner, d'accord ? Je ne viens pas juste faire ça. On doit sentir les épaules qui travaillent et je frappe à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ok ? Donc je vais faire 500 jambes gauche devant, tout de suite derrière. Je vais changer de garde, faire 500 jambes droite derrière. Et on va faire 50 doucement, 50 vite. Alors quand je dis doucement, ce n'est pas ça. Hein. C'est pam, 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 pam. Je me mets du rythme. Et toutes les 50, on va accélérer, décélérer, d'accord ? Une fois qu'on arrive à 500, on switch de garde, on fait ça dans l'autre garde. Allez, on a assez parlé, je mets comme il faut mon écran, tac, ici, jambe gauche devant, attention, et on y va. 10,
20, 30, 40, 50, on accélère, 10, 20, 30, 40, 100, on décélère, on frappe bien assez haut pour que les deltoïdes restent en pression, 10, 20, pensez à respirer, 30, 40, on va accélérer, 50, on accélère, 10, 20, 30, 40, 200, normal, 10, 20, 30, 40, 50, on accélère, 10, 20, 30, 40, 300, 10, 20, 40, 30, pardon, 40, on accélère, 10, 20, 40, 30, décidément, 40, 400, on décélère, 10, on lâche pas, 20, 30, 40, on accélère, allez, 10, 20, 30, 40, 50, on change de garde, doucement, 10, 20, 30, 40, on accélère, 10, 20, 30, 40, 100, on décélère, 30, on est bien sur les appuis, 40, alors on accélère, 10, 30, 40, 200, on décélère, allez les jeunes, 10, 20, faut que ça brûle les épaules, 30, 40, on accélère, 10, 20, 30, 40, 300, on décélère, salut Jean-Thierry, 10, salut Jean-Luc, 20, 30, salut à toi Marc, repose-toi si t'es fatigué, 40, on accélère, 10, 20, 30, 40, 50, allez on décélère, dernière. Dernière centaine. Salut Mehdi. 10. Salut Gilles. 20. 30. Ce sera la dernière accélération. Donnez tout. 40. 50. On accélère. 10.
20, 30, 40 et 1000. Soufflez, buvez un peu. Bravo à vous. Encore une fois, je le redis, ce travail, comme plein d'autres boulots, c'est intéressant parce qu'on fait du renforcement musculaire, on travaille un peu le cardio, là c'est pas très dur en cardio, et on perfectionne un mouvement. Si on respecte bien les principes, les bons appuis, la bonne garde, les frappes en hauteur, le bon mouvement. Donc voilà, on pourrait faire d'autres choses, mais autant rester proche de notre discipline, renforcer les deltos, et puis corriger la garde, etc. Alors, on va passer un peu sur les jambes. On l'a vu hier, j'ai eu quelques messages de gens qui m'ont dit « Ah, ça picote les cuisses ». Bon, et ben on va le refaire pour finir de s'échauffer au niveau des jambes. Hop, alors je vous remontre le travail. Je suis jambe gauche devant, ici, d'accord. Je suis en garde. Hop, je vais lever. Le cou vient sur ma jambe arrière et s'est décalé. Je lève, je bloque. Sans baisser les mains. Ne venez pas arrondir le dos. Restez bien droit. Hop, je lève ici, je repose. Boum, je lève, je pose. Et je reste bien sur mes appuis. Salut Yann. Ah ouais, ça bosse bien. Moi, j'aime bien le faire au sac de frappe. Ça permet de... Bam, bam, bam. Et normalement, ce qu'on peut faire aussi, j'ai une vidéo que j'avais mise en ligne il y a un an ou deux. Moi, ce que je fais quand je le fais au sac, j'en fais 100. 10 pompes, je me relève, 100, 10 pompes, et je fais ça 10 fois, en changeant de garde au bout de 500. Et là, vraiment, ça pique. Ok, donc là, je suis en garde, je fais que le blocage de la jambe arrière. On pourrait bloquer devant, hein. Ici, on va bloquer là, de côté. Ça peut être sur un low kick, ça peut être sur un middle, d'accord. On va voir un low kick un peu haut, qui n'était pas forcément bien donné, ou qui a été bien donné, enfin, peu importe. Ici, boum. Je bloque, d'accord. Donc, je vais faire ça. Une fois que j'ai fini ici, je vais venir, hop, ici, jambe avant, hop, je viens, je bloque avec la jambe avant. Je vous rappelle qu'on bloque avec la partie supérieure de la jambe, pas le genou, hein, la partie supérieure du tibia, et on vient viser la partie basse de la jambe de l'agresseur, le pied de préférence, ça c'est le dos de son pied, je viens bloquer le dos, la cheville, ou un peu plus haut, mais n'allez pas trop haut. Si l'agresseur est beaucoup plus lourd que nous, ça reste quand même pas évident de faire un blocage qui ne sera pas douloureux pour celui qui défend. Allez, avec moi, on est en garde, genou arrière, on le sort bien à l'extérieur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on ne baisse pas les mains, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, jambes avant, en sortant le genou à l'extérieur. Allez, j'en perds mon élastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, c'est la jambe avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Alors en fait, quand on bloque jambe avant ou jambe arrière, on a grosso modo trois angles de blocage. Je vous montre. Quand je suis jambe arrière, s'il m'attaque en se décalant vers là, je vais pouvoir bloquer avec ma jambe arrière. Je me mets sur un autre angle. Il est en face, il se décale, boum, je viens bloquer. Deuxième possibilité, il s'est un peu moins décalé. Je vais bloquer, non pas là ou là, je vais bloquer entre les deux. Donc première possibilité, je bloque sur le côté. Deuxième, en diagonale. Troisième, complètement devant. Il a attaqué ma jambe avant, sauf que j'ai le poids du corps sur la jambe avant, boum, c'est la jambe arrière qui vient bloquer. Charles, qu'est-ce que tu dis? Tu touches le coude, oui. Tu touches le coude sans te
taper. Tu vois, je ne viens pas bam, percuter ma cuisse, je vais me faire mal. Je viens refermer. C'est soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais je vais éviter ça. Et donc, jambe avant, c'est pareil. On a pareil, on l'a fait complètement sur le côté, entre les deux, devant, voire même à l'intérieur. Donc, j'ai 1, 2, 3, et ça peut être aussi, pardon, on a 4 angles, autant pour moi. Donc, on va faire ces 4 angles, complètement perpendiculaires, diagonale, devant, à l'opposé, avec la jambe arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, à mon rythme. D'accord ? En position de garde, on décompose ici. Je suis en garde, complètement sur le côté. Je pose en diagonale, je pose. Devant, je pose. À l'opposé, je pose. D'accord ? Ça serait mieux de bloquer avec l'autre jambe, mais en fonction du poids de corps, ça ne sera pas garanti. On y va. 1, 2, 3, 4. On recommence. 1, 2, 3, 4. Allez, 1. Diagonale, devant, de l'autre côté, encore. 1, 2, 3, 4, et on revient. 1, 2, 3, et 4, et on revient. Ici, on a un point de déplacement. Allez, 1, 2, 3, 4, et on revient. 1, complètement sur le côté. Diagonale, hop, devant, hop. De l'autre côté, hop, et on recommence. 1, 2, 3, 4, on revient. 1, 2, 3, 4, et on revient. 1, 2, 3, 4, on change de jambe. Extérieur, diagonale, devant, côté opposé. Ça va pour vous? Allez, on y va. Diagonale, devant, côté opposé, on recommence. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 5, encore. 1, 2, 3, 6, encore. 1, 2, 3, 7 encore. 1, 2, 3, 8 encore. 1, 2, 3, 9 encore. 1, 2, 3 et 10. Donc là en fait, salut Stéphane. Donc là en fait, vous voyez, quand je suis en garde, il y a plein de manières de se comporter. On peut aller en avant, en arrière, ici. On peut être près du corps sur la jambe arrière et avoir la jambe avant qui est prête à bloquer, à frapper. Il n'y a pas une bonne manière. Il y en a plusieurs. Et ça pourrait être un coup de pied direct. Je suis en garde. Ici, il vient une attaque. Boum, je viens bloquer. Et je décale et je remise. Pareil, je suis ici, il m'envoie un low kick intérieur. Boum, je bloque. Le low kick est un peu plus en diagonale. Boum, je bloque. Maintenant, il est de côté, il m'attaque. Ici, je suis là, il m'attaque de côté, hop, je bloque. Il est face à moi, coupé direct, hop, je bloque. Etc, etc. C'est au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de réfléchir. À force de travailler, de faire des petits assauts très, très souples, avant les assauts durs, les combats durs, ça devient des automatismes auxquels on ne réfléchit même plus. Alors, on va travailler juste une petite technique depuis une position neutre. On va bien travailler le crochet bras droit et bras gauche en position neutre. Et après, on reprendra un petit exo un peu dynamique. D'accord ? Alors, c'est la ceinture... pardon, juste un message, excusez-moi, je vois ce qu'il veut. Ok, tac. Ok, d'accord. Bah, je te répondrai après, si tu m'entends. Et donc, pardon, bras droit, bon, hop. Ok, alors... Désolé, je suis de nouveau avec vous. Hop, hop. Alors, je suis ici, je vais baisser un peu mon écran. Regardez, je suis en position neutre. On connaît le coup de poing direct. Maintenant, ici, on va travailler avec le crochet. Regardez, direct, le mouvement, il est linéaire. Je suis là,
boum, je vais frapper tout droit. Le crochet, pour plein de raisons, je vais mettre un mouvement circulaire, à l'horizontale, uppercut à la verticale, là c'est à l'horizontale. Le direct, je peux le mettre main ouverte, doigt tendu, point fermé. Le crochet et l'uppercut, je peux les mettre que point fermé, très important. Donc je vous rappelle que pour fermer la main, je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le pouce n'est pas là, il n'est pas à l'intérieur, il est ici. Et de préférence, on vient frapper avec ces deux métacarpes les plus forts de la main. Pardon, j'ai une crampe index et majeur, d'accord, et pas annulaire auriculaire. Donc je suis ici, je fais tout doucement, c'est ma main qui part en première, boum, je viens frapper, j'ai pivoté l'épaule comme sur le direct, j'ai pivoté la hanche comme sur le direct, et je vais reculer, mon pied va aussi pivoter. Je suis ici, si on ne voit pas ma tête, c'est pas grave, je suis ici, je jette la main, boum, je frappe, et tout a pivoté. Lorsque j'ai fini de frapper, mon coude est à la même hauteur que ma main, voire un peu plus haut, mais pas plus bas. Imaginez que ça, c'est un mur. Si j'arrive plus bas, vous voyez, je frappe avec la mauvaise partie du poing. Si j'arrive à la même hauteur, je frappe avec la bonne partie. Si j'arrive plus haut, c'est moins grave, puisque j'arrive toujours avec la partie avec laquelle je devrais frapper. Donc ici, on finit pas comme ça, on finit là, ou là à la rigueur, d'accord? Et je pivote la hanche, pardon, l'épaule, la hanche, et le pied, et lorsque j'ai terminé, boum, j'ai fini derrière mon épaule, l'autre main qui me protège, d'accord? Mon mouvement, il ne fait pas ça, hein. Je ne cherche pas à traverser, je cherche à venir, boum, je frappe, pam, j'ai frappé, et soit je vais continuer derrière, soit ici, pour reprendre mon travail, boum, je frappe et je reviens, boum, je frappe et je reviens, boum, je frappe et je reviens. Ça va, on va faire une fois à droite, une fois à gauche. Je vais, moi, vous laissez me voir que sur le haut du corps, sauf si ça pose problème de ne pas voir mes jambes, sinon je reste là. Mais n'oubliez pas, si je frappe bras droit, mon pied droit pivote, comme sur le coup de poing direct. Ok, et pensez à bien fermer la main, c'est très important. Sur le crochet, je vais viser quoi? Je vais viser notamment le menton. Ici, cette partie-là qu'on appelle l'interrupteur dans les sports de combat, d'accord? Je vais frapper le menton, je peux aller choper la mandibule, ok? Je peux choper une arcade. Ça va faire des dégâts, mais ça ne va pas forcément mettre KO. Le mieux, c'est ça. Et puis, je peux aller frapper, ici, jugulaire carotide. Et si je suis un peu de côté, boum, je peux aller frapper, par exemple, là, au niveau de la trachée. D'accord? Tac, 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 voilà. Donc, on frappe une fois à droite, boum, on va rester en position pour se corriger. On relâche, signal suivant, boum, on frappe de l'autre côté, on reste en position, on corrige. Allez avec moi. Hop! Ok, l'épaule, la hanche, le pied. Souvenez-vous toujours, pied, hanche, épaule, et on revient. Ne faites pas ça et après vous levez la main. C'est la main, boum, qui va entraîner le corps. Et on recommence, à gauche, hop, on reste en position, super, on revient. Encore, hop, et on revient, de l'autre côté, hop, on revient, hop, on revient, hop, on revient, hop, on revient. Relâchez-vous, il faut qu'il n'y ait aucun mouvement d'appel. Il ne faut pas que ça fasse ça, ou les mains qui montent, le visage qui se crispe. Je dois être relâché, et ici je vais aller frapper. Encore à droite, hop, et on revient. À gauche, hop, on revient. Petite parenthèse, je vous rappelle que si vous voyez quelque chose que vous enseignez différemment, que vous avez vu différemment, contactez-moi si vous voulez qu'on en parle. On ne va pas en parler maintenant parce que ça va être trop long, il y a un décalage, etc. Mais ne paniquez pas. Et surtout, c'est moi qu'il faut contacter. Je donne un cours, c'est moi le responsable de ce cours, même si j'ai été formé par Richard. Si vous voyez une erreur, on en parle. Si vous voyez une différence qui peut vous perturber, on en parle. Mais il n'y a pas une manière de faire certaines choses, il y en a plusieurs, d'accord? Donc s'il vous plaît, en cas de problème, c'est moi qu'il faut contacter avant de contacter d'autres personnes. Ce sera beaucoup plus simple, s'il vous plaît, et ne vous laissez pas perturber. Une fois à droite, une fois à gauche, je frappe, je reviens. Hop! Et je reviens, hop, et je reviens, hop, 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 hop. Alors le crochet, quand je le mets, mon bras peut être très ouvert. Là, on ne voit pas, mais il est fléchi. Hein. Il peut être très ouvert, il peut être plus fermé. Un crochet se met à plusieurs distances.
Et on pourrait même le mettre à la même distance que le coup de poing. Je suis là, il est fermé, boum, je passe de côté. Mais on a plutôt tendance à le mettre lorsqu'on a raccourci la distance, mais on peut le mettre sur plusieurs angles, d'accord? Le swing, on m'a posé la question quand je suis en garde notamment, le swing est un crochet très large. On va souvent passer, il m'envoie un coup de poing, le coup arrive ici, je me décale, boum, je vais frapper, et j'arrive non pas la main là, mais la main comme ceci. Donc il y a un danger pour la main. Si on frappe trop avec le dos de la main, on risque de se casser la main. Mais un swing, c'est boum, c'est très large. On va chercher ici, pardon, j'ai mal piloté, on va chercher boum, à frapper avec cette partie de la main. Moi, je ne le fais pas sans gants parce que ça reste dangereux. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça peut être très bien sur une esquive ou sur un début de rentrée au corps à corps. Boum, je vais aller frapper et je vais rentrer. D'accord? On va faire la même chose en position de garde. Donc là, maintenant, je suis dans ma garde et je vais boum, frapper avec le bras avant, puis avec le bras arrière. D'accord? Petite parenthèse, Alexandre Orozco fait une petite interview MMA Krav Maga avec James Quiado, champion de MMA, et Alexandre sur Instagram. De mémoire, c'est mardi ou jeudi. Regardez sur le profil d'Alexandre, mais ça va être forcément très 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 intéressant. Et jeudi, Olivier, donc de 100% Krav Maga, le club à Paris, fait une conférence jeudi sur les violences physiques. C'est un professionnel de la sécurité, un gars en or, donc n'hésitez pas à le suivre. Il y a l'info sur la chaîne et je mettrai celle d'Alexandre demain matin sur la chaîne. On en position de garde. Ici, boum, le crochet gauche. On va faire que du crochet gauche. Et on ne revient pas en laissant le coude ici décollé. Je suis là, boum, je reviens et je suis là. On va en avant, en arrière, à mon signal, le crochet. Hop, et on revient. Hop, on revient. Hop, c'est deux mains, dit Chitassi. Donc, Alexandre, c'est deux mains. Hop, 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 hop. On met le crochet, c'est bien. Hop, hop, hop. Regardez, bougez pas. Boum, j'ai frappé. Ici, j'ai bien passé l'épaule. Et on revient. Hop, hop. Hop, hop, hop. Et quand je frappe, vous voyez, ma tête, elle n'accompagne pas le coup. Boum, je frappe et ma tête reste vers l'avant. Bras arrière, pensez ici, bras arrière, boum, à pivoter le pied arrière. Avec moi, on est main en garde, ouverte, au signal bras arrière. Hop, et on revient. Hop, pardon. Hop. Passez l'épaule. Hop. 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 Protégez-vous de l'autre côté. Je frappe. Je suis protégé. Encore. Hop. 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 Encore. Hop. Hop. Ok. Crochet gauche, crochet droit. Crochet avant, crochet arrière. On y va. Hop. Hop, 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 hop. Ok. Alors, on va faire un petit travail. Vous souvenez, on avait fait une fois. Ah, merci Esther. Donc voilà. Chitassi vous a mis le lien vers la petite conférence que vont faire James et Alexandre. Très très intéressant, on a deux experts, un ancien combattant de MMA, un des pionniers du Krav Maga en France, que je salue, et avec lui donc Alexandre Orozco, vous connaissez, le Leonardo De Vinci, le professeur Raoult du Krav Maga. Ok. Donc maintenant, on va continuer. On va revenir sur un travail qu'on avait déjà fait, que moi, je fais très régulièrement dans mes cours. C'est l'exode de 1, 2, 3. 1, c'est bras avant. 2, c'est bras avant, bras arrière. 3, bras avant, bras arrière, bras avant. D'accord? Et de là, souvenez-vous, ceux qui avaient assisté à ce cours, ou ceux qui viennent dans mes cours, on peut faire plein de déclinaisons de ça. D'accord? Là, on va simplement faire, à mon signal, si je dis 1, crochet avant. Si je dis 2, avant, arrière. Si je dis 3, avant, arrière, avant. D'accord? Mais ce sera dans le désordre.
Chaque fois que je vais vous donner le signal, hop, on fait un demi-burpees. Donc burpees, c'est quoi? Flexion, pompe, extension. Sauf que là, c'est pas un scroll, d'accord? Sauf que là, je suis en train de travailler, vous entendez, hop, je viens, j'arrive bras tendu, je suis ici, je suis en train de travailler, hop, et je me relève. Juste, je jette les bras tendus au sol, les genoux ne touchent pas le sol, je fais pas de pompe, rien du tout, et je me relève. Ça va? Donc on se déplace, je mets un peu de musique. On va se déplacer. Et j'arrive. Pardon, je vais trouver une petite musique. Donc on se déplace, on est parti sur 3 minutes, dès que j'entends les signaux, un demi-burpees, et on fait les crochets uniquement. Alors on y va. 2. 2. 1. Hop. 2. 3. 2. 3. 1. 2. Hop. Je vais juste baisser encore l'écran, on continue. 1. 2. 2. 3. 2. Hop. 2. 1. 2. 2. Hop. On descend. 2. 1. 2. 1. 2. Hop. En bas. 2. 1. 3. 2. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 15 secondes. Hop, en bas. 2. 2. 1. 3. 2. 1. Ok, soufflez. Alors, on va le faire dans l'autre garde. Une 30. Soufflez, soufflez, soufflez. J'espère que ça va chez vous. Alors, ce qui m'intéresse quand on travaille, c'est de tout de suite trouver le relâchement. Et de ne pas être là. Fais 1, 1. C'est d'être là, comme si je jouais. Et ici, hop, hop, je joue. Prenez l'habitude de ne pas rester en face. Je joue. Je suis relâché. Même si ce n'est pas des grands déplacements parce que je n'ai pas beaucoup de place, il ne faut pas que je reste là. Je me déplace comme ça. Parce que là, tout va se voir. Et tous les coups, vous allez les prendre. Relâchez bien les épaules. Ici, je change de direction. Voilà, je fais semblant d'aller à gauche. Je reviens à droite, etc. Mais il faut bien, bien se relâcher. On change de garde et on fait la même chose. Allez, on y va. Hop. Pardon, désolé. 2. 3. 1. 2. Hop, en bas. 3. 1. 2. 3. Hop, en bas. Allez, on continue. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 1. Hop, en bas. 40 secondes. 2. 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, hop, en bas, 10 secondes, hop, en bas, 2, 1, 2,
3. Allons, souffle. Ça picote ou pas? Comment ça va, les amis? À buver. Buvez, buvez. Ça fait du bien, hein? C'est important, encore une fois, de se relâcher. Même si je suis pas en garde. Parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui l'approche. Il faut que je sois relâché pour que mon coup soit le plus vif possible, le moins facile à voir arriver. Et plus ça pique, plus c'est bon. Et ça veut dire que c'est périmé. Ça pourrait être une gifle au début. Ça pourrait être boum, coude, crochet ou crochet, crochet, boum, le coude derrière. Hein. Vous êtes là, vous êtes en garde, il vient vers vous. Crochet, boum, coude. On peut tout imaginer. Doigt tendu au niveau des yeux. Blah, il avance sur moi, un coup de coude. Pensez self. Pensez Krav Maga, c'est important. Pensez toujours Krav Maga. D'accord? Toujours, je suis là, je discute avec quelqu'un. Boum, il avance sur moi, il pousse. Boum, au moins il pousse. Je mets mon crochet, par exemple. D'accord? C'est important de garder toutes les armes qu'on a en Krav Maga, de savoir après les reproduire sur la scène défense. Alors, il faut que je me mouche. Buvez un peu. Ok, depuis... oui, il faut y mettre de l'intention, mais si on a de l'intention qu'on n'a pas de technique, c'est dommage. Les deux, c'est très bien, d'accord? Parfois, la technique... surpasse l'intention et parfois c'est l'inverse, d'accord? Mais les deux c'est parfait. Mais après on n'est pas obligé de toujours on n'est pas obligé de toujours se donner à fond. Hein. On peut des fois aussi lever le pied. Mais tu le sens quand même. Alors Emilien, je suis sûr que tu fais semblant de ne pas être à fond, mais je suis sûr que tu es à fond. Alors ici on a une technique en position neutre. Beaucoup m'ont posé la question. On va faire une fois avec la paume de la main, une fois avec le poing fermé. Je vous montre et j'explique. Quand je suis en position neutre, lorsqu'on m'envoie un coup de pied de là à là, un coup de pied direct, j'ai cette possibilité-là qui ressemble aussi, qui est la même chose que sur une attaque baïonnette pour ceux qui connaissent, voire même sur une attaque au couteau, sauf que j'aurais la main de cette manière si c'était une attaque au couteau. Donc là, en fait, lorsque je suis ici, logiquement en position naturelle, mes mains sont là. On m'envoie un coup de pied là, ou là, je précise de là à là parce que vous allez voir, hop, ma main va pouvoir faire une parade des parties, pas plus haut que ça. Hein. Là, ça serait utopique de penser qu'avec l'épaule, on pourrait faire quelque chose. Et comme on ne sait pas si le coup il vient aux parties, au corps ou à la tête, on ne va pas faire ça. Au cas où le coup est venu à la tête, on va faire ça. On va sortir. On va éviter d'arriver creusé là, parce que là, on n'est pas bien. Le mouvement, c'est... Hop, si je me mets de côté, ici, hop, j'ai avancé en diagonale. Enfin, j'ai fait un plan d'avant, pardon. Je suis ici, je viens, hop, j'avance. Pensez à chercher à rentrer. Et donc, de là, en fait, on a cette première possibilité qui est de faire cette parade. Vous voyez, j'ai gardé mon bras fléchi, ma main ouverte. Et on a la même chose, sauf qu'au lieu de faire avec la paume de la main à l'intérieur, on va faire avec le bras ici. Toujours contracté, sauf que là, vous voyez, avant j'avais la paume là, maintenant j'ai le poing fermé, et donc la paume qui est orientée vers l'extérieur. Alors cette deuxième solution est plus intéressante que la première, parce que le bras est plus fort forcément, du fait qu'on soit contracté comme ça, et non comme ça, là on risque quand même une hyper-extension. À ce moment-là, en faisant ça, on est plus en danger qu'en faisant ça. Seulement quand je fais ça, si j'ai un mauvais timing à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est que j'arrive avec cette partie-là. Donc, on peut se blesser. Et en fait, c'est pour ça qu'on enseigne cette possibilité plus tard, parce qu'on estime que là, on a un meilleur timing. Donc, on a le temps de faire ceci. Alors, le mouvement du corps, lui, va rester le même. C'est juste que là, on sera plus fort que là, tout simplement. Et bien, nous, on va travailler sur la deuxième possibilité. D'accord ? Encore une fois, c'est la même chose, sauf que dans la logique, c'est une histoire de timing. Donc, je ne suis pas en garde, très important. Et mon adversaire, s'il me fait ça, mon adversaire,
Souvent, on voit ça en cours. Les gens, ils attaquent à peine. Ici, il faut imaginer que le gars, il vient vraiment me percuter. Donc, je ne suis pas en position de garde. Ici, lorsqu'il m'attaque, boum, je fais mon premier mouvement, ma main qui part. Encore une fois, vous voyez, mon bras est fléchi, il est contracté, il est fléchi, ma main est bien fermée, et je sors la tête. Au cas où le coup de pied vient là, hop, je sors la tête, et mon bras vient faire la parade. Tout à l'heure, rappelez-moi, je vous explique la différence parade, esquive et blocage. Pareil, intérieur-extérieur, il faut qu'on en parle un peu de tout ça. Et je fais après, boum, pareil, de l'autre côté. Le mouvement arrive, je ne sais pas où il vient, je décale avec le bas et je sors la tête au cas où, ça venait à la tête. Une fois à droite, une fois à gauche. Avec moi, hop, je suis ici, l'autre main est là, elle ne traîne pas ici, je suis là, j'ai pivoté, je regarde vers l'avant. On revient de l'autre côté. Hop! Super. De l'autre côté. Hop! Super. Si je peux, je vais baisser un peu l'écran. Comment ça, on met toujours la hanche, Gilles? Sur la rotation, sur le mouvement là, hop, regarde. Je me mets ici. Hop, tu vois, je pivote. Je ne peux pas faire ça sans envoyer la hanche. Je vais avoir du mal à sortir. En sortant la hanche, en engageant la hanche, pardon, ça me permet de mieux sortir. Donc, je suis ici, hop, dans un sens, je pourrais très bien avancer un peu à ce moment-là, si j'ai un très bon timing. Soit j'ai juste pivoté le pied, soit si je peux, ce qui est encore mieux, j'ai avancé en même temps. Quoi les pieds? Les mecs, si vous me faites des questions, les pieds, Charles, tu me connais, tu sais que je suis un peu bizarre moi. Les pieds, ça veut dire quoi? Je sais pas. Allez, avec moi s'il vous plaît. Bras droit, hop. Et on revient de l'autre côté. Hop, on revient. Pensez à sortir la tête. Hop, restez en position. Est-ce que la tête est sortie? De l'autre côté. Hop, et on revient. Hop, on revient. Hop, on revient. Hop, on revient. Hop, on revient. Ne creusez pas trop le dos. Hop, on revient. Hop, on revient. Alors, sur moi avec mon bras droit, comme avec mon bras gauche, je peux défendre sur ces deux jambes. Je suis ici, il m'attaque avec sa jambe gauche, boum, j'ai fait ma parade, sa jambe gauche arrive ici, logiquement je me retrouve dans son dos. Avec le même bras, je défends sur l'autre jambe, sur sa jambe droite, je vais me retrouver à l'intérieur, d'accord? La même chose de l'autre côté, que ce soit jambe gauche ou jambe droite, je peux défendre des deux côtés, d'accord? Donc là maintenant on va faire, regarder. J'ai fait, hop, ma parade avec le bras gauche, et ici maintenant, boum, j'ai deux possibilités que moi j'aime beaucoup faire. Soit le même bras va venir se positionner au niveau de son torse ici, comme si je voulais l'empêcher d'avancer et je vais mettre un coup de poing piston. Soit ici, hop, le bras qui a fait la parade, gauche, droite, va tout de suite enchaîner avec un coup de poing au visage. Pareil de l'autre côté, on peut, un, deux, je l'empêche de continuer à avancer en même temps peut-être que je vais bloquer ses bras. Boum, ou alors, ici, un, 2, 3. On va enchaîner gauche-droite, d'accord? Ça sera mieux. On commence côté gauche, pas très vite. 1, parade. Maintenant, on met gauche et droite. Et on revient de l'autre côté. Parade, droite et gauche. Et on revient de l'autre côté. Parade, gauche, droite. On revient de l'autre côté. Parade, gauche, droite. On revient. On accélère un peu. 1, 2, 3. De l'autre côté, 1, 2, 3, de l'autre côté, 1, 2, 3, ne bougez pas, 1, ici par exemple, gauche, boum, crochet droit, ce qu'on a vu avant, là on fait des directs, mais ça pourrait être d'autres choses, ça pourrait être direct, coup de coude, crochet, coup de coude, ça pourrait être plein de choses, côté droit, parade direct, direct, 1, 2, 3, et on se repositionne, 1, 2, 3, on se repositionne, j'accélère un peu, 1, 2, 3, on se repositionne. À gauche, hop, on se repositionne. À droite, hop, on se repositionne. 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 Hop, allez, je vous donne le signal, à chaque signal. Une fois à gauche, une fois à droite. Allez, hop!
On se repositionne. Encore. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Encore. Excusez-moi, nous on dit toujours le coude plus haut que le poing. Alors, je reçois un petit message. Toujours le coude plus haut que le poing, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pardon, je me mets là. Ça suffit. Ça, c'est faux. Ça, c'est bien. Ça, on peut. Ça, on peut. Voilà. Donc, celui qui m'a fait le message par rapport à ça, logiquement, j'ai répondu à ta question. Ok. On va juste refaire ça 10 fois. Une fois à gauche, gauche-droite. Une fois à droite, droite-gauche. Et on passe à autre chose. Attention, tenez-vous prêts. Allez, hop, un. Pardon, on se repositionne. À mon signal, relâchez-vous bien. Hop, côté droit, on se repositionne. C'est bien, encore. Hop, côté gauche, on se repositionne. Encore. Hop, côté droit. Attention, on va aller à gauche. Hop. Super. Hop. Super. Hop. Super. Hop. Super. Hop. Super. Encore. Hop. On se repositionne. Super. Encore. Hop. Et une dernière fois, relâchez-vous bien. Hop. Et au travail. Ok. Alors, une petite parenthèse. Quand j'ai dit faites-moi des messages, ne me les faites pas pendant les cours, s'il vous plaît, parce que s'il faut que je lise les messages pendant les cours, les autres, en attendant, ils vont se faire des sandwichs au pastrami. Moi, par exemple, c'est. Je pense qu'on voit la différence entre. Je vais y arriver. Entre ce point-là, on ne voit plus trop là, et celui-là. J'étais videur et j'ai mis un crochet à un mec, Manu. Et quand je l'ai mis, pourtant, comme j'étais plus boxeur à ce moment-là que pratiquant de craft, je l'ai mis comme ça. J'ai eu un peu mal, hein. Mais ça n'a pas cassé. Logiquement, c'est mieux là. Bon, là, dans ce cas-là, c'est cette partie-là qui a frappé. Le mec, il est tombé KO, bing. Mais alors, on voit un peu qu'il y en a un qui est plus gonflé que l'autre. Mais bon, c'est pas bien grave. Ok, on va reprendre le travail du 1, 2, 3, s'il vous plaît. On va reprendre le travail de 1, 2, 3. Sauf qu'en fait, maintenant, on va reprendre sur du direct. Donc, là, c'était du crochet, du crochet, du crochet. Là, on va retourner sur du direct. Quand je vous dis 1, direct du bras avant. Quand je dis 2, bras avant, bras arrière. Quand je dis 3, bras avant, qu'en direct. Sauf que, je vais vous faire transpirer un peu les neurones. Chaque fois que vous allez entendre 3, 1, 2, 3, je vais esquiver. J'ai fait 1, gauche, 2, droite, 3, gauche. Quand je ramène ma main gauche ici, je vais partir vers la gauche, je vais remonter crochet gauche, crochet droit. Donc dès qu'il y a le 3, j'esquive après, alors fais les 3, esquive, crochet gauche, crochet droit. Et esquive, je reste bien en garde, les mains ne sont pas collées au visage, les poings fermés, les mains sont ouvertes. J'esquive quand je remonte crochet gauche et crochet droit. D'accord? Donc vous imaginez, vous êtes là, 1, boum, 1, boum, 2, ici, 3, 1, 2, 3, hop, esquive, crochet gauche, crochet droit. Pensez à esquiver, cherchez à rentrer à l'intérieur, crochet gauche, crochet droit. Si vous avez de la place, déplacez-vous, faites des changements d'axe et relâchez bien les épaules. Ok? Dans 10 secondes, on va partir sur 3 minutes de travail. 3 minutes de travail, soyez bien aérien, bien relâché. Et quand vous frappez, poussez bien sur vos jambes bam, pour qu'il y ait beaucoup, 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 beaucoup de force. Ah, j'ai loupé le chrono. Attention. Dans 10 secondes, alors 58 et 3, ça fait 1, ça fera 1,45. Attention, allez, c'est parti. 2, les aléas de l'anglaise, mon ami, super, j'adore. Ça, merci à toi, Jamel. 1, 2, pensez à varier la position des mains. 1, 3, hop, j'esquive, crochet, crochet. 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2,
2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, merci Pierre, 2, 1, 3, 3, 2, pensez à faire vos frappes en avant, en arrière, 1, 2, 2, 3, encore 3, 45 secondes, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, allez, soufflez. Les aléas de l'anglaise. Ben ouais, mon pote Jamel. Ça va tout le monde? Allez, soufflez. On va repartir sur la technique. Alors. Alors, ok. Tu passeras le bonjour à Christophe, Pierre. Ah, mais merci à toi, Jamel. D'ailleurs, si tu veux intervenir sur certaines choses que je peux montrer ou dire, ce sera avec grand plaisir. Tu as beaucoup d'expérience en anglaise. J'admire d'ailleurs ton expérience, donc n'hésite pas à intervenir, Jamel. Toutes celles et ceux qui veulent intervenir, pas toutes celles et ceux, sinon on ne va plus s'en sortir. Alors, cet exo, en fait, vous voyez, on peut le faire en mettant plein de choses derrière. On peut mettre plein de choses derrière. On peut très bien dire, ok, je fais mes, c'est de la routine, hein. Moi j'appelle ça, salut Evelyne. Ok. Ça c'est de la routine pour moi, je suis en garde, mes déplacements, boum, je frappe, etc. Dans la rue déjà, si vous faites ça correctement, c'est top. Hein. Maintenant, de là, on pourrait très bien imaginer, il me plonge dans les jambes, je me décale, je frappe, je fais une défense sur une tentative de takedown. Et il me dit genou, bah, je mets un coup de genou, il avance, je me décale, je mets un middle. On peut vraiment rajouter plein de choses. Quand on travaille avec un partenaire, quand on travaille en club, qu'on veut former un élève, qu'on veut qu'il s'améliore après le combat, pareil, hein, si je le fais à main nue, pam, pam, il vient, il attaque au couteau, boum, je fais tout mon travail. Mais ça, c'est vraiment ce que j'appelle les fondamentaux. Les appuis, les déplacements, la garde et les frappes. D'accord, les trois fondamentaux. 1. Équilibre, appui, déplacement. 2. La garde. 3. Savoir frapper. Avec plaisir, Jamel. Avec grand plaisir. D'ailleurs, tu peux m'appeler parce que j'adore entendre ta voix. On se marre bien. Jamel, c'est un mec qui est très sympa et qui est très drôle. Salam, mon frère. Donc, de là, on peut décliner vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Ok. La dernière fois, on avait vu la défense d'étranglement. Boum, il m'attaque de face en me poussant, et je revenais frapper avec l'avant-bras. On ne l'avait pas vu au cours d'avant, on l'avait vu il y a quelques cours. On va faire la même chose lorsqu'il m'étrangle, donc de derrière. D'accord ? Je crois qu'on l'avait vu aussi de derrière, mais ça ne nous fera pas de mal de réviser. Donc si je suis étranglé et que ça vient de derrière,
S'il me pousse, même s'il ne me pousse pas, ça fonctionnera. Par contre, l'autre, s'il me pousse, celle-là, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Si je suis poussé de derrière, ici, je vais travailler. Je ne vous fais que le début. Hein. Ici, 1, 2, d'accord? Boum. Et derrière, je vais pouvoir retourner en allant vers lui et frapper. Je me mets de dos. Il m'étrangle. J'accompagne en avançant. Je vais un peu baisser l'écran. Il m'étrangle. On ne va pas faire ça longtemps. Il m'étrangle, j'accompagne en avançant, c'est peut-être au premier, deuxième, boum, premier ou deuxième pas. Je vais lever ma main et mon biceps il va venir au niveau de l'oreille. Tac, je vous remets l'écran correctement. Le biceps vient au niveau de l'oreille ici, d'accord? C'est-à-dire que mon bras ne va pas faire juste ça, parce que là je n'arriverai pas à me dégager. Il va voir que je lève le bras ici en allant au niveau de l'oreille, je ramène le biceps à l'oreille, et de là je vais tourner. Quand je vais tourner, hop, ici, quand je vais tourner, l'autre main va monter pour me protéger et pour être prêt à aller frapper. Une fois que j'ai tourné ici, suffisamment pour qu'il m'ait lâché, ses deux bras soient retrouvés là, je vais abaisser mon bras en prenant soin de regarder comment ses bras à lui sont. Si ses mains sont descendues, boum, je vais frapper avec l'avant-bras au niveau de son visage ou de sa gorge. Si ses mains sont restées en haut, boum, je vais frapper à ce moment-là au niveau de ses côtes. Pour être efficace sur ma frappe, je vais éviter de faire ça. Je ne vais pas faire 1, 2, où là j'aurai pas de force, mais je vais faire ici 1, donc j'ai tourné, 2, et je transfère le poids du corps vers mon agresseur pour que boum, ici mon coup soit vraiment très efficace. On vise bien les côtes flottantes, d'accord? Ça fait beaucoup de dégâts, il faut pas croire. Donc ici, 1, 2 à la tête, ou alors ici, 1, 2 au corps, et je suis bien revenu vers lui pour mettre le poids du corps. Ça va pour vous? Pour l'instant, on va faire. Une fois que j'ai avancé jambe gauche, j'ai levé la main droite et j'ai commencé à tourner vers lui. Et après, j'ai avancé la jambe droite, j'ai levé main gauche et j'ai commencé à tourner vers lui pour qu'il me lâche. Il arrive là. Plus je vais faire ça, plus ses mains vont se retrouver par là. Et donc, il va pouvoir me tenir. Allez avec moi, doucement, j'avance jambe gauche, biceps droit à l'oreille. Hop, ok. Alors je vous regarde, donc du coup je ne fais pas très bien le mouvement, mais je ne vais plus vous regarder maintenant. Encore, là, même bras, même jambe. Hop. Et on regarde derrière, hein. Je vais me mettre dos à vous. Pareil, jambe droite, jambe gauche. Hop. Et on revient. De l'autre côté. Hop. Donc là on a avancé l'autre jambe, et on a levé l'autre bras. Si j'avance jambe droite et que je veux lever bras droit, je ne vais pas y arriver. J'avance jambe droite et je lève l'autre bras. J'avance jambe gauche, je lève l'autre bras. Encore. On avance jambe droite et on lève le bras gauche. Hop. Et on revient. Regardez derrière vous. De l'autre côté. Hop. Et on revient. De l'autre côté. Hop. On revient. De l'autre côté. Hop. On revient. De l'autre côté. Hop. On revient. Hop. On revient. Hop. On revient. On revient. Ne bougez pas, regardez. Ici, j'avance, je colle, je pivote. D'accord? Et l'autre main vient ici. On avance jambe droite, bras gauche qui monte. Hop! Et on revient. Hop! Là, si vous le faites avec un partenaire, dites-lui de ne pas serrer. Lui, il est derrière, donc il va arriver là. De ne pas serrer au niveau de la gorge. C'est dangereux, même si on est censé bien maîtriser la technique. On ne sait jamais. Demandez-lui cependant de bien entourer votre gorge, de contracter les bras et les doigts sans appuyer au niveau de la gorge. Très important. Et de là, sans forcer, faites 1, 2, vous allez voir qu'il va lâcher. D'accord? Même si la personne est plus forte que vous physiquement, il lâchera. Après, c'est clair que s'il se met enfoncé et que vous prenez votre temps, ça va être autre chose. Mais s'il n'enfonce pas les doigts au niveau de la gorge et qu'il durcit, qu'il me laisse travailler, 1, 2, vous allez voir que hop, ici, ses doigts vont se dérober. Ne bougez pas. J'ai avancé jambe gauche, j'ai levé bras droit, je ramène mon bras et je vais frapper. J'imagine vraiment que tout le corps veut traverser, mais je ne me retrouve pas comme ça. On lève bras droit en avant, jambe gauche, on s'arrête. 1. J'ai le poids du corps sur la jambe gauche. Maintenant, on va ramener le poids du corps sur la jambe droite, boum, et on va aller frapper flanc ou au niveau de la tête. La même chose. Bras droit, jambe gauche, hop. On revient point du corps, boum, on vise au niveau des flancs.
La même chose de l'autre côté. On avance jambe droite, on lève bras gauche. 1. Ici, on regarde. On ramène le poids du corps jambe gauche. Boum. Et on vient frapper. Et on recommence. 1. Et 2. Et on recommence. 1. Et 2. Une fois à droite, une fois à gauche. Une fois bras droit qui se lève, une fois bras gauche. Avec moi. 1. 2. On frappe. De l'autre côté. 1. 2. On frappe. De l'autre côté. 1, 2, on frappe. 1, 2, on frappe. On va aller un peu plus vite. À mon signal. Alors, vous allez fermer les yeux. Quelle heure est-il? Vous fermez les yeux, d'accord? Ah ben, j'ai l'heure là. On ferme les yeux. À mon signal. Bam, le bras que vous voulez. Vous avancez, vous levez le bras, vous frappez et vous vous repositionnez. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Hop! Et on se repositionne. On ferme les yeux. Attention. Hop! On se repositionne. Fermez les yeux. Relâchez-vous. 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 On se relâche. Hop! On dirait que j'ai éternué. Hop! À mes souhaits. Encore une fois. Parade, blocage. Oui, merci Charles. C'est très gentil. Rappelle-le-moi dans 10 minutes, s'il te plaît. Je risque d'oublier. Encore une fois. Hop! Ok, on se repositionne. Pensez à bien lever le biceps à l'oreille, de bien pivoter, transférer le poids du corps pour vraiment lui faire mal à la tête ou au cou. Fermez les yeux, on a les yeux fermés. Hop! Ok, on se repositionne. Encore, encore, encore. Hop! Ok, on se repositionne. Attention. Hop! Allez, encore une fois. Attention. Ok, super. Allez, buvez un peu, s'il vous plaît. On boit un peu. Ça va de votre côté? Tout le monde va bien ou il y en a qui commencent à fatiguer là? Hein? Ok, alors, on va refaire un petit travail. Donc, si on se souvient. On a vu les crochets sans la garde, les crochets avec la garde, la défense étranglement arrière en poussant. On a vu la défense avec l'avant-bras sur un coup-pied direct. C'est bien, on a vu pas mal de choses. Bon, alors, pardon, excusez-moi, parce que j'ai préparé des programmes. Donc là, ça c'est de la orange. Je prends, parce que j'ai une petite mémoire. Tac. Eh bien, ok. Bon, alors. Ok, ici. On va faire. Je suis pas chaud, c'est bien ce qui me semblait. On va faire un coup de pied direct suivi d'un coup de pied circulaire. Alors, attendez. Est-ce que ça serait, est-ce que aurait du sens une saisie de la main de l'adversaire avec la main qui redescend pour frapper? Bien sûr, ça a du sens, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, Mathieu. J'ai fait ça, ça, ça. Là, j'ai fait, par exemple, 1, 2, 3. Tu vois, mon bras, il revient bloquer un peu la personne. Ça a du sens, c'est d'ailleurs un mouvement qu'on fait énormément en Krav Maga. Ici, pardon, j'ai perdu... Ah oui, c'est ça. Donc, tac, tac. Là, c'est un peu compliqué, enfin, un peu technique physiquement. Hein. Ici, on va faire coup de pied direct. Je vais mettre un coup de pied direct de la jambe gauche, par exemple. Et derrière, je vais mettre un coup de pied circulaire de l'autre jambe. Donc là, dans ce cas-là, de la jambe droite. Le coup de pied circulaire peut être fouetté, comme quand je fais un coup de pied où ça passe bien ici, d'accord? Vous avez le choix. Alors, vous savez ce qu'on va faire comme on est pas chaud des jambes? On va faire un petit shadow. On va faire un petit shadow avec les jambes. Et on fera ça après parce que moi, je sens que je suis pas chaud. Donc, pas vite, hein, d'accord? On fait 2 petites minutes. Montez beaucoup les jambes pour qu'on puisse faire ce coup de pied après. Enfin, ce travail technique sans risquer de se blesser. Je mets de la zic et on y va. 2 secondes. Hop.
Attention, attention, attention. Dans 5, 4, 3, 2, et on y va. Je vous fais vous les jambes. Donc là, on va aller sur la ceinture marron, mais c'est accessible à tout le monde. Ok, allez. Là, on a réchauffé un peu nos jambes. Alors, coup de pied direct suivi d'un coup de pied circulaire. Ça va pour vous? Ici. Ça, c'est pas top. Hein. Je me suis connu meilleur. Direct, direct. Je vais faire. Ne vous moquez pas. Je suis un peu crevé. Un, deux. Je vais baisser un peu l'écran. C'est pas top, hein. Je reconnais, mais bon, c'est comme ça. Allez, ici. Direct. On fait juste le coup de pied direct. Direct à gauche, direct à droite. Avec moi. À gauche, à droite. Moi non plus. Toi non plus, on ne sait pas de quoi tu parles. Mais c'est pas grave. Allez, encore. Ah, toi non plus, tu n'arrives pas à le faire. D'accord. Hop. Non, mais c'est juste parce que je ne suis pas chaud et je suis un peu crevé. Hop. 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 Et en plus, j'ai mal à l'esprit aux jambes droites. Hop. Ok, ne bougez pas. J'ai frappé. Au moment où ma jambe gauche revient devant, revient derrière, pardon. Là, je vais me servir de ce retour pour aller mettre ma jambe droite. Non, non, je ne vais pas me faire de claquage, t'inquiète pas. C'est des mouvements que je ne fais pas souvent, donc en fait, il faut juste que mon corps retrouve les automatismes. C'est juste du travail de mémoire musculaire, mais ça va aller. Je le sens d'ailleurs. Un, deux, voilà, ça va mieux. Ici, donc, soit j'ai frappé. Ici, je frappe, je me mets en fouetté. Soit je laisse passer la jambe. Ici, je frappe et je laisse passer la jambe. Bon, ben voilà. Donc on va le faire ensemble. Jambe gauche, direct, suivi de jambe droite, circulaire. Encore. Jambe gauche, on va la laisser ici. Au moment où elle retombe, là. Je frappe circulaire avec la jambe droite. Ok ? Encore.
Jambe gauche, on laisse le genou en haut. Au moment où le genou retombe, on pousse jambe droite. Allez, encore une fois, et après on fera dans l'autre sens. Jambe gauche, je frappe, je ramène le genou fléchi, il reste en haut. Et au moment où je repose le genou fléchi, je frappe jambe droite. Encore une fois. Attention, jambe gauche, gardez le genou en haut, jambe droite, je pose le genou, jambe droite. Encore une fois, jambe gauche, on garde le genou, on pose, jambe droite. Et maintenant, on fait tout de suite les deux sans s'arrêter. Ne bougez pas, les deux sans s'arrêter. Sauf si vous ne vous sentez pas du tout, vous ne faites pas. Allez, à mon signal, hop, on se repositionne. Encore. Hop. On se repositionne. Encore. Hop. Encore. Hop. Ok, on fait l'inverse. Maintenant, c'est jambe droite qui vient frapper. Je suis ici. Ma jambe droite qui frappe. Jambe droite et la jambe gauche en circulaire qui vient derrière. Donc, pour l'instant, que la jambe droite. On va laisser le genou en l'air. Hop. Jambe droite. On laisse le genou en l'air. Et on repose. Encore une fois, jambe droite, je vais frapper, je laisse le genou en l'air et je repose. Encore une fois, tu peux frapper Justine avec le pied ou le tibia. C'est comme tu veux, ça dépend de ta souplesse, mais aussi de la distance. Plus tu vas être proche, plus ça va être le tibia, mais ça va être plus dur. Plus tu vas être loin, plus ça va être le pied. D'accord ? Encore une fois, juste le genou droit qui monte, ici, hop, et je repose. Hop, et je repose. Hop, et je repose. Hop, au moment où je repose cette jambe, j'envoie l'autre jambe. En deux temps. Un, et deux. Et on se repositionne. Encore. Un, et deux. Encore une fois. Un, et deux. Une dernière fois en deux temps. Un, et deux. Et maintenant, on va aller en un seul temps. Coup de pied direct, circulaire. Attention, on en fait 5. Allez, 1. Et on revient en position normale. 2. On revient en position normale. 3. On revient en position normale. 4. Alors là, j'imagine Momo en train de faire ça, je suis mort de rire. Une dernière fois, hop, 5. Super, 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 super. Eh bien, écoutez, sauf s'il y a des questions techniques sur ce qu'on a vu, une des choses qu'on a vu ce soir, on va faire un peu de gainage et des assouplissements avant de nous préparer à aller entendre Manu, qui va parler à 20h02, a priori, pour nous annoncer qu'on est encore pendant un mois en vacances. Cool. Y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, ça fait chier, machin », je me permets, hein, d'accord. Moi, chaque fois que j'entends des gens qui disent « Ah, ça saoule, on ne peut pas sortir, machin », moi, je préfère être chez moi qu'intubé sur le ventre dans un service de réanimation. Je préfère être chez moi que malade dans un soin intensif et savoir que je risque d'être plongé dans le coma et peut-être jamais me réveiller. Et que même si je me réveille, je vais devoir derrière faire de la rééducation pulmonaire, que j'aurai peut-être des problèmes cardiaques par la suite et que je risque de rechuter aussi. D'accord. Donc, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de concert pendant 10 ans, je sais que d'un point de vue économique, ça va être compliqué pour moi en premier. Hein. Oui, merci Charles. Là, en ce moment, j'ai aucune rentrée d'argent, j'ai pas le droit au chômage, etc. Tout ce que je fais, c'est bénévole. Mais je préfère largement ma place que d'être en réa, voire d'être en Somalie, en Éthiopie, d'être un enfant qui crève la faim. Si je dois bouffer des pâtes pendant 3 mois, je boufferai des pâtes pendant 3 mois, même s'il n'y a pas d'huile d'olive, même s'il n'y a rien. Pensez à... En Libye, là, ils savent qu'il y a plein de camps de migrants qui sont pris en esclaves et qui sont torturés, etc. Et on ne sait pas combien d'entre eux vont mourir à cause du Covid. Il va y avoir des hécatombes dans plein de pays. À ce qui paraît, le confinement devait nous rendre meilleurs, nous rapprocher. Malheureusement, je pense que ça ne va pas être le cas. Hein. Ça ne va pas les rendre meilleurs, parce que je ne veux pas que quelqu'un se sente visé ici.
Il y a beaucoup de gens assez effarants. Hein. Je suis désolé, quand je vois, ah putain, encore une fois, on va pas pouvoir sortir encore pendant un mois, mais putain, on est en bonne santé. On est en bonne santé. Et même en temps normal, il y a des gens qui se plaignent quand il n'y a pas d'épidémie, mais pensez à celles et ceux qui sont en France qui crèvent de faim, ceux qui crèvent en Méditerranée, ceux qui ont 15 ans, qui chopent un mélanome malin qui reste 6 mois à vivre, il faut vraiment qu'on relativise. Hein. Et surtout, là, les gens sont en train de se diviser parce qu'ils ne peuvent pas sortir, et puis parce qu'ils ont vu des gens dans la rue, ils les ont dénoncés. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens dans la rue qu'on va être confiné plus longtemps. Hein. Ça, c'est des conneries. De rejeter la faute sur les autres, pour moi, c'est une aberration. Il faut rester soudé, il faut être soudé, proche des autres, empathique, et se dire qu'il y a toujours pire que nous. Et enfin, il y a toujours des gens qui sont dans une situation bien pire que la nôtre, même si la nôtre, elle est finalement, enfin, de manière générale, il y a sûrement des gens qui écoutent là, qui avaient des problèmes avant le confinement. Mais on est bien quand même en France. Il faut arrêter, on est bien. Si demain vous tombez malade, vous allez finir à l'hôpital, intubé, machin, mais il y a des gens, s'ils tombent malades, c'est fini. Il y a des pays où vous cassez la jambe, vous mourrez de septicémie ou trucs comme ça. Donc il faut vraiment qu'on sorte de ça meilleur. Tout le monde a changé et il sera plus jamais comme avant. Il sera plus jamais comme avant. Donc apprenons à vivre différemment. Et quand il y a eu la peste, la grippe espagnole, la peste noire qui a décimé, je crois, un quart de la population mondiale. Voilà, hein, bon, merci Antoine, merci. Et merci d'ailleurs, c'était réanimateur pour tout ce que vous faites. Et je refais des gros bisous à Pauline, à Clémence, à Morgane, à Nadine, à tous mes potes qui bossent. Donc à toi Antoine. Et qui, voilà. Donc vous avez compris mon message. Je disais, hein, je ne veux pas faire le donneur de leçons, ce n'est pas du tout mon truc. Mais moi, ça me fait de la peine quand j'ai lu des trucs effarants ce matin. Quoi? Les concerts sont annulés. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de concert. Tu vas sur YouTube, il y a plein de concerts. Franchement. Ouais. Et moi, quand je pense à tous ces migrants qui meurent toute l'année en Méditerranée, ça choque à peine personne. Mais oui, en Équateur, ils meurent dans la rue. En Inde, il y a des. Cherchez ce que c'est que le syndrome de l'Inde. Les gens, ils voient des cadavres dans la rue. Ah oui, les dénonciations, moi, je trouve ça fou. Hein. Il y a des gens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils m'auraient fait flipper. Hein. Bon, allez, on met les tapis par terre. On met les tapis par terre. Tac. Tac, tac. Et on va se gainer, les amis. On va se gainer. On va se gainer parce qu'on est en bonne santé. On est chez nous, au chaud. Et ce soir, on va manger. On va pouvoir regarder la télé. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. D'accord? C'est dans la nature humaine hein, de râler, de se plaindre, de jamais être content. Allez, on va faire notre petite planche pendant 1 minute 30. D'accord? Allez, c'est parti, 1 minute 30. Faut vraiment que l'homme apprenne à tirer des leçons, mais il ne le fait pas. Allez, on reste 1 minute 30. Quelle vidéo, Vanessa? Ah, Eric, qu'est-ce qu'il dit, Eric? Ah oui, en Équateur. De quoi? J'entends pas du tout, tu peux ouvrir? Ouais, il y a mon assistant qui arrive. Le voilà. Salut, madame. Nana commence à me lécher. Arrête d'y bouche. Arrête, hein! Oh putain! Continuez 30 secondes! Arrête, 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 arrête! Salut Yann! Hey, si tu viens, tu es sage. Parce que je l'ai engueulé aujourd'hui. Allez, on continue! Allez, 20 secondes! Arrête, dis bouche! Ah! Arrête, Obi! Ok, on pose. Ah, il est terrible celui-là. Allez, à genoux sur le plat du pied. Peut-on gainer 2 minutes par jour? Mais on peut gainer autant qu'on veut. Si tu veux gainer 10 minutes par jour, 2 minutes, 5 minutes,
Merci Marc, j'espère que tu vas bien. Je te fais des gros bisous, mon Marcus, mon vieux pote Marc, que je connais depuis bien longtemps et qui m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Un gentil homme, très sympa, très cultivé, très intéressant. Allez, on part en arrière. Vous voulez revoir Obi? Je rappelle Obi? Chitassi? Tu veux revoir Obi? Obi? Attendez, on va rappeler Obi. Obi, allez, on va écarter les genoux, on va se mettre en tranchant intérieur du pied. Obi! Oui, viens, viens voir ici. Tu fais assis? Ouais, voilà, il est là, Obi. Attendez, je vais baisser un peu l'écran. Il est là, Bibouche. Donc, je l'appelle Bibouche. Obi-Wan le Jedi. Obi-Wan, allez, on a les genoux écartés, on est sans tranchant intérieur du pied. On va refaire 2 minutes 30 de gainage. On peut même monter à 2 minutes. Dans 3 secondes, allez, on se met en position. 2 minutes de gainage. Salut Cécile. Allez, on y va. 2 minutes. Montre-leur tes jolies dents. Et après, ah oui, alors, esquive blocage. Esquive blocage et parade. Je vais expliquer ça. Ouais, t'es un peu cracra toi, hein? T'as traîné je sais pas où là. Ah oui! Allez, vous êtes en gainage, 1 minute 30 encore. Ouais, c'est Obi-Wan Kenobi. Avec plaisir, appelle-moi quand tu veux, Jamo. Obi-Wan. Ah, ce pourri me mange! Allez, encore. Il reste un peu plus d'une minute. Hey, ça c'est long. C'est moi le chef. Allez, 50 secondes. On tient, on lâche pas. Arrête, Obi. Je suis pas une glace. Tu m'as pris pour une glace. Allez, Bibouche, arrête. Allez, va. 40 secondes. Ceux qui ont lâché en attendant, vous mettez jambes écartées. Si vous avez lâché, vous mettez jambes écartées. Putain. Tiens, regardez. Hop, comme ça, vous avez vu les fesses d'Obi. Obi, c'est non. Je cherche quelqu'un pour adopter mon chien. Allez, il reste 8 secondes. 8 secondes. Allez, super, on lâche. Obi, jambes écartées. Stop! Jambes écartées. Allez, je descends au milieu. Alors, c'est quoi la différence entre un blocage, une esquive et une parade? Un blocage, je bloque, j'arrête net le coup. L'idée d'un blocage, boum, de bloquer durement le coup. 360 degrés, c'est du blocage. Une esquive, le coup ne me touche pas. Circulaire, je passe en dessous. Direct, je passe de côté. Coup de pied, je me décale. D'accord? Parade, je décale le coup. Blocage, je bloque le coup. Esquive, j'évite le coup. D'accord? Sans qu'il y ait le moindre contact. Parade. Le coup de poing vient, boum, je décale le coup, mais ce n'est pas arrêté net. Je l'ai fait passer à côté, par exemple. On m'envoie un coup de pied direct, boum, je fais ça, je décale la jambe. D'accord? Allez, les jambes tendues. Donc, je répète. Le blocage, je bloque net un coup, 360 degrés. La défense bâton, c'est une parade glissée. Et crochet, je descends en dessous, c'est une esquive. C'est bon pour vous? Il faut bien retenir ça. Maintenant, quand on dit parade glissée vers l'extérieur,
Je suis en garde. Ce qui est à l'intérieur de ma garde, c'est l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, c'est l'extérieur. Donc quand le coup vient et que je fais ça, d'un coup, d'accord, je fais une parade vers l'extérieur. Si je fais ce, si le coup vient ici et que je fais ça, engage, parade, esquive. Allez, une jambe tendue, une jambe fléchie. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Intérieur, extérieur. Blocage extérieur, j'ai bloqué vers l'extérieur. Blocage intérieur, j'ai bloqué vers l'intérieur. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Allez, en 2 minutes, on a fini. Une jambe tendue, une jambe fléchie. T'es veto, Nicolas? Ben écoute, si un jour tu viens à Strasbourg, tu viendras voir mon chien, mes chevaux. On a la chance d'avoir un Shire, qui est un cheval de trait anglais. C'est la race des plus gros grands chevaux du monde. On change de jambe. Et celles et ceux qui s'en vont avant de partir, merci d'avoir suivi le cours. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas, mercredi, il y aura 2 nouveaux cours, tous les lundis, mercredis, vendredis, et le dimanche de 10h30 à 12h. Et demain, les nouvelles vidéos, etc. Salut Samira, je te fais des bisous. Embrasse ton petit bonhomme. Et une dernière fois, de nouveau, jambes écartées. Allez, on a les jambes écartées. Allez, après, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'expliquer, sur ce qu'on a vu en cours? N'hésitez pas. Salut Pascal. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. C'est super. Ok. Alors, on va faire un salut en position assise, en place pour le salut. Merci à vous tous. Bruno, blocage esquive parade, je viens de l'expliquer. Ah, mais Momo, il était là. Il vient d'arriver, Momo, en fait. Il fait Zermain, il a suivi le cours, mais en fait, il vient d'arriver. Donc Bruno, si tu n'as pas entendu l'explication Bruno esquive parade, je te propose de retourner un peu en arrière, j'ai expliqué ça. Sinon, bah, merci à vous tous, profitez bien de votre soirée. On va se préparer pour l'allocution du petit Manu. Et puis voilà, s'il y a des questions, vous me faites un petit message. S'il y a des vidéos à m'envoyer, vous nous envoyez, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, restez toutes et tous en bonne santé et prenez soin de vous et de votre famille. Bisous à vous tous. Salut tout le monde.